Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, une année de changement au Conseil des prud'hommes de Forbach. Comme le prévoient les statuts, un nouveau président a été élu. Il s'agit de Gérard Muller, représentant du collège employeur. Il succède à Michèle Auchard, qui représentait, elle, le collège salarié. Cette année 2017 sera marquée par la mise en application de la loi Macron. Si cette réforme complique la procédure, elle devrait permettre un traitement plus rapide des dossiers. On y revient plus en détail dans le JT. Place d'abord aux 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, Génie Bois, une équipe de pros. Il a suivi une formation de carrossier peintre, mais il a un coup de cœur pour la pizza. Et c'est là que Giacomo Citro excelle. En mars prochain, il sera opposé à 160 pizzaiolos pour la finale nationale. 561 nouvelles affaires enregistrées l'an passé par le Conseil des prud'hommes de Forbach. Pas de quoi chômer pour le Sarreguemines Gérard Muller, le nouveau président. 700 à 800 postes seront supprimés à la halle aux chaussures. Le groupe Vivarte se sépare du chausseur André et de Naf Naf. Nul ne sait si l'enseigne de Sarreguemines est menacée. Depuis 1983, 150 logements ont été créés à Roulin. La commune lance un nouveau lotissement. 47 parcelles seront disponibles à terme. À la Sinistrose actuelle, le Sarreguemines Plat Theater et la troupe de Grünwiller opposent le rire et la joie de vivre. Ce week-end, à la salle W de Wustwiller, l'agglo de Sarreguemines offre le billet aux seniors. Le Sarreguemines Nicolas Pfeiffer, numéro 5 mondial, remporte sa demi-finale de simple face au numéro 3 belge Joachim Gérard. Il accède ainsi à la finale du simple homme à l'Open d'Australie à Melbourne. Il y a tout juste un an, Mosaïque réalisait un reportage sur le 20e forum d'orientation des lycéens. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Vingt ans déjà qu'il existe, le forum d'orientation des lycéens a pour l'occasion accueilli d'anciens directeurs des lycées ou du centre d'information et d'orientation de Sarreguemines. C'est donc un forum bien installé qui a accueilli les lycéens. De nombreux exposants ont pris place dans les locaux du centre de communication de l'usine Smart. Côté établissement scolaire, même les écoles alsaciennes n'hésitent pas à passer l'ex-frontière régionale pour se faire connaître. Et rendez-vous mardi de 8h30 à 16h30 au Centre sportif et culturel de Sarralbe pour la 21e édition du Forum d'orientation des lycéens. Plus de 2200 élèves pourront rencontrer quelques 120 exposants. Côté météo, c'est Sandrine qui vous en dit plus. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on va devoir supporter une dernière fois des températures négatives avant une belle remontée pour la fin de la semaine et la semaine prochaine. Côté ciel, il reste nuageux, mais on pourra profiter de moments ensoleillés l'après-midi. En matinée, le thermomètre atteindra une dernière fois les moins 5 à moins 10 degrés. L'après-midi, les températures grimperont jusqu'à 2 à 7 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 27 janvier, nous fêtons les Angèles. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 17h21. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Le match, c'est mardi soir, le SFC accueille Niort en 16e de finale de la Coupe de France. Et pour y assister, c'est maintenant qu'il faut acheter son billet. Sandrine est à l'un des points de vente, le magasin Avomark. Sandrine, bonjour. Est-ce qu'il y a foule pour tenter d'acheter les rares billets disponibles en tribune? Alors oui, Julia, il y a foule. Et puis déjà depuis 11h30 ce matin et même avant, il y avait déjà une foule gigantesque devant le magasin. Alors, petit rappel, il faut savoir qu'il y a seulement 220 places qui sont mises en vente pour les tribunes. 400 places qui sont disponibles pour la pelouse autour du terrain et seulement deux points de vente pour vendre tout ça. Le MagPress Acora est ici au magasin Avomark. Alors j'ai avec moi deux clients qui vont pouvoir acheter leur place dans un instant. Alors je vais commencer par Yann Morer. Bonjour. Bonjour.
Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous vous êtes libéré? Est-ce que c'est pendant votre pause? Comment vous êtes venu ici aujourd'hui? Bah écoutez, j'ai un jour de repos aujourd'hui, donc je ne travaille pas, ce qui peut me permettre de venir acheter mes tickets tranquillement, quoi. Donc ça tombait bien. Alors, est-ce que vous êtes personnellement un habitué du stade de la Blize? En toute honnêteté, je suis plus un supporter de l'AS Nankirch, mais Sarreguemines étant un tout petit peu plus performant, je me permets de venir les voir en Coupe de France. Est-ce que du coup, la Coupe de France, justement, vous en parlez, est-ce que vous l'avez déjà suivi l'année dernière? Oui, j'ai suivi l'aventure de l'ASF l'an dernier. J'étais aux abords du terrain, donc c'était une belle aventure. Et les débuts de cette Coupe de France de cette année, vous l'avez suivi aussi? Oui, par contre, j'ai pas pu me rendre au stade, donc c'était ou sur les commentaires directs ou par la télé, quoi. Hein. Ok, et est-ce que vous les suivez aussi pour les matchs de championnat, en dehors de la Coupe de France, parce qu'ils sont en championnat de France amateur? Oui, je regarde leurs résultats, là. Je sais qu'ils sont actuellement en 5e, je crois avec 19 points, donc voilà, espérons qu'ils font une bonne fin de saison. Si vous aviez un pronostic pour le match de mardi, ce serait lequel? Allez, on va se mouiller, on va dire 2-0 pour Sarreguemines. Et si vous aviez, là, parce que vous pouvez en profiter, vous allez sûrement regarder le reportage, si vous avez un conseil à donner à l'équipe, ce serait lequel? Bah, de continuer à faire comme ils ont toujours fait depuis le début de la compétition et on ira plus loin. Cool, parfait, je vous laisse aller prendre vos tickets et je passe à vous. Vous êtes Olivier, j'ai oublié votre nom de famille. Vac. Olivier Vac. Alors, les questions vont être les mêmes. Est-ce que vous avez pris un jour de congé pour venir ici chercher vos places? Oui, effectivement, je me suis libéré au niveau de mon travail pendant une heure pour prendre mes deux tickets. Parce que vous êtes un fidèle supporter? Écoutez, moi je suis le club depuis 89. D'accord. Donc j'ai un peu grandi là-bas, donc c'est avec plaisir que j'irai voir le match de coupe mardi soir. Et vous avez suivi également la Coupe de France l'année dernière? Oui. Donc j'étais à Corbeur-Valenciennes l'année dernière, j'étais contre Reims. Donc, vous les aviez suivis aussi à Granville? À Granville, non, par la radio, oui, par les baies de la radio. Oui. Et leur avancée en Coupe de France, enfin en championnat, je veux dire, vous la suivez aussi? Alors quand je peux me rendre au stade, je vais au stade. Autrement, je suis par votre chaîne locale, donc par Mosaïque. Donc ça fait vraiment plaisir de les voir à l'extérieur comme à la maison. Donc, c'est très bien. Et pareil que tout à l'heure, si vous aviez un pronostic à nous faire, ce serait lequel? Alors, moi, je suis un petit peu plus gourmand. Moi, j'aurais dit 3-1 pour Sarreguemines, mais bon, ça va être difficile. Donc la victoire suffira. Donc. On peut continuer de rêver, ça pourrait être vraiment sympa. Et si vous aviez un conseil à donner à l'équipe, vous qui les suivez régulièrement, ce serait lequel? Bah, qu'ils restent comme ils sont. Je pense qu'ils ont bien les pieds sur terre. Donc s'ils restent comme ils sont, ça peut passer. Ok, merci beaucoup. Je vais vous laisser prendre vos billets pour ne pas louper ce match vraiment qui risque d'être historique. Je reviens vers vous. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, une chose est sûre, les places vont partir très très vite et c'est une bonne chose. Plus nous serons sur le stade présent, plus l'équipe du SFC auront des chances de réitérer l'exploit. Venez tous au stade, les soutenir. C'est important pour eux et allez le SFC. Merci Sandrine, et puis si jamais vous n'avez pas réussi à avoir des billets, eh bien rendez-vous mardi à 18h sur Mosaïque pour suivre les commentaires du match et voir les buts et les actions marquantes juste après la fin de la rencontre. Direction Forbach à présent, où siège le conseil des prud'hommes. Après avoir dressé le bilan chiffré de l'année 2016, Michel Auchard a officiellement passé la main à Gérard Muller à la présidence lors de l'audience solennelle de rentrée. Pour le nouveau président, l'année 2017 sera marquée par les réformes liées à l'application de la loi Macron. Reportage de Grégory Sebag. Une année marquée par le traitement de plus de 800 dossiers d'un seul coup dans l'affaire concernant le préjudice d'anxiété des mineurs et qui était en attente depuis 2 ans. Un point positif dans le bilan chiffré présenté par le président sortant, Madame Michel Auchard. Si 561 nouvelles affaires ont été enregistrées cette année, seules 505 sont encore à juger au 31 décembre, contre 1380 l'année précédente. Michel Auchard passe ensuite le relais au nouveau président représentant le collège employeur, Gérard Muller. Cette année, nous avons à peu près 10% d'affaires, de requêtes en moins qu'en 2015. Mais l'activité est toujours constante.
Le nouveau président prend à son tour la parole pour évoquer l'avenir en insistant sur les difficultés liées à la mise en application de la loi Macron, une réforme qui complique la procédure mais qui devrait avoir un avantage, permettre un traitement plus rapide des dossiers. Le fonctionnement de la juridiction prud'homale a été modifié dans la torpeur estivale de cet été, à la marge et pas forcément pour le meilleur. D'abord, on a changé un peu les titres. Hein. L'audience de conciliation est devenue audience de conciliation et d'orientation. Lors de cette audience, on se rend compte, lorsqu'il y a la conciliation, le dossier doit être présenté complet par le demandeur. Auparavant, la demande se résumait en 2 pages. Aujourd'hui, on est à 11 pages. Mais ça permettra d'accélérer après l'étude du dossier et la sortie naturellement des décisions. Gérard Muller souhaite que le Conseil puisse continuer à fonctionner de manière satisfaisante et en toute impartialité en 2017. Pour cela, il sera secondé par un nouveau vice-président, Antoine Diebolt, qui prend la succession de Michel Auchard pour le collège salarié, celle-ci n'ayant pas souhaité se représenter. Elle restera toutefois membre du Conseil. Les chiffres du chômage viennent d'être dévoilés. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B ou C est de 87 500 fin décembre 2016. Ce nombre baisse de 0,2% sur 3 mois. Il est stable sur 1 mois et progresse de 0,2% sur 1 an. Dans le Grand Est, le nombre de chômeurs baisse de 0,2% sur 3 mois, augmente de 0,1% sur 1 mois et diminue de 0,1% sur 1 an. Une escapade pleine de surprises. Depuis lundi, Mosaïque a la preuve que certains de ses téléspectateurs sont particulièrement attentifs. Une équipe de Mosaïque présente dans les studios de RTL. Bien vu Stéphane, de Sarreguemines, lundi matin, une grande partie de l'équipe de Mosaïque a répondu à l'invitation du directeur d'RTL pour en visiter les locaux. Un voyage d'études à Paris, au cours duquel nous avons pu assister aux matinales d'RTL, mais aussi d'RTL2 et de Fun Radio. Notre équipe est actuellement en plein débriefing de ce qu'elle a pu observer afin d'améliorer encore et toujours les émissions que la chaîne vous propose. Et puis cette escapade à Paris, c'était aussi une belle occasion de tester la popularité de Mosaïque. Dimanche soir, Marie Lorenz, Flora Lemery, Guillaume Dumontail et Jean Birkel sont allés sur le parvis de Notre-Dame pour demander aux passants ce qu'ils en savent. Ça faut pas faire. Regarde les gargouilles, ouais. La volière, elle te regarde. Et dans le dessin animé, elles ont quel rôle? Elles font. C'est juste les potes de Quasimodo. Est-ce que mosaïque, le mot mosaïque, ça vous inspire quelque chose? Tout ce qui est par rapport aux constructions. On pense à Pompéi, on pense à des choses comme ça, ce qu'on voit dans les musées. La mosaïque, c'est un assemblage de pièces de différentes couleurs mises ensemble pour créer un type d'art. Mosaïque, des petits carrés, un dessin, un tableau fait avec des petits carreaux de carrelage, quoi. Enfin, c'est tout ce qui est mélange de couleurs. Visuellement, ce serait comment? Bon, un mélange de plusieurs choses, quoi, c'est ça. Il y a un assemblage, quoi, un assemblage, un puzzle. Dans la mosaïque, il y a plusieurs interprétations possibles pour le même sujet. Quelque chose de joli. Tout ce qui est en miniature peut donner quelque chose de joli. Voilà, donc tout ce qui est petit et mignon. Et en fait, Mosaïque, c'est une chaîne de télé. Et c'est le nom de notre chaîne de télé. On est basé à Sarreguemines. Et c'est le pays de la faïence, en fait. Très bien. Justement, donc on n'était pas loin. On n'était pas loin. Retour dans le secteur et direction Sarrebruck. Les premiers mois de cette nouvelle année vont être chargés pour les responsables de la ZARMAS. De nombreux salons et foires sont prévus. Amateurs de tourisme, de vacances, de moto, de chasse, de pêche ou encore de jardinage vont être ravis. Reportage de Christophe Ladenberger.
Une conférence de presse se tenait il y a quelques jours pour exposer ces différentes thématiques et cela débutera dès le 27 janvier jusqu'au 29 janvier avec la foire du tourisme, Reisen et Freizeitmesse. Les gens pourront découvrir des grands thèmes axés sur le tourisme. Donc on a des opérateurs de voyage qui vous proposent un peu de tout, des voyages en Afrique, des voyages en Europe, des voyages en Asie, mais aussi des voyages tout près. On a beaucoup de régions allemandes qui se présentent, donc aussi pour les courts séjours, vous trouvez tout. On a un grand part qui axe sur le caravaning, donc surtout sur les Wohnmobile, Mobilhome, donc vous, oui. Ça c'est un grand thème et ce qui est aussi un grand thème c'est le cyclisme et là le e-bike qui joue un grand rôle sur cette foire. Le salon Intermoto les 11 et 12 mars, le salon de la pêche et de la chasse du 17 au 19 mars ou encore le salon du jardinage et du bricolage du 21 au 23 avril, voilà les quelques rendez-vous importants. De nombreuses foires expositions ont également lieu en France avec des thèmes plus variés. Comment alors attirer une population française à Sarrebruck et quelles sont les différences notoires entre ces salons des deux côtés de la frontière ? Il n'y a pas de grande différence entre la France et l'Allemagne. La France a encore beaucoup de foires consommateurs qui offrent une vaste offre. En Allemagne, la spécialisation maintenant va sur des foires axées sur un thème, comme par exemple la foire du tourisme, ou une foire sur la moto, ou une foire sur la construction. Qu'est-ce qui est fait ici à Sarrebruck pour attirer la clientèle française ? Nous avons des collaborateurs comme moi-même qui sont bilingues. Nous avons une communication de presse naturellement en France et nous sommes aussi avec affichage en France. Et sur la foire même, le français trouvera des interlocuteurs qui seront aussi bilingues pour pouvoir se situer. Beaucoup d'exposants aussi maintenant ont un personnel bilingue pour pouvoir aussi conseiller les visiteurs français. Et le chef de projet de la société Sarrebruck sera prochainement notre invité en plateau. Aujourd'hui, mon invité, c'est Liliane Lind. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle encore, si je peux me permettre, présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Moselle. C'est la première fois qu'une femme est élue à ce poste. Bravo, bien sûr. Et puis j'ai envie de dire, vous avez battu le président sortant, c'était Christian Nozal, mais c'était à la surprise générale, 14 voix à 12. C'était difficile. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous avez fait comment pour vous faire élire? Je pense que j'ai réussi à fédérer tous les artisans qui sont sur notre liste et de favoriser le travail en équipe, surtout, et d'être proche des artisans. C'était mon but et puis le but de tous ceux qui m'ont soutenu. Donc voilà, on a œuvré pour ça et... Ça change tout, que ce soit une femme qui dirige la chambre de métiers et d'artisanat ? Je ne pense pas. Ça fait 20 ans que je suis à la chambre des métiers. J'ai été deux fois vice-présidente chargée de la formation. Donc je connais l'équipe, je connais la maison. Et c'est une continuité. Et vous maîtrisez le sujet. Mais maintenant que c'est vous qui êtes à la tête, quelles vont être vos priorités ? Quels sont les combats que vous voulez absolument mener ? Alors là, ce sera la formation et l'apprentissage surtout. Et le développement économique qui va avec, c'est pour les artisans, et le développement durable. Et pour l'apprentissage, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait nous tenir à cœur, parce que c'est une voie royale, et qu'on devrait faire comprendre aux jeunes que, voilà, il faut y aller quand on a envie. Comment se porte le secteur de l'artisanat en Moselle aujourd'hui ? Très bien. Nous avons quand même plus de 18 000 entreprises, qui sont répertoriés et c'est un secteur qui fonctionne bien, qui a repris depuis 2-3 ans, même dans le bâtiment. Donc voilà, ça se porte très bien justement. Avec beaucoup de métiers qui recrutent aussi. Oui, qui recrutent des personnes qualifiées et donc c'est pour ça que la formation reste une priorité aussi pour nous. Mais alors justement, contrairement à ce qu'on peut constater par exemple en Allemagne, ici, tout ce qui est apprentissage, filière professionnelle, ça n'a pas vraiment la cote. On le constate tous les ans au moment de l'orientation, que ce soit les parents, les enseignants, parfois aussi les professionnels de l'orientation, ils déconseillent, en particulier aux élèves qui ont un bon niveau en classe, ils leur déconseillent les filières professionnelles, ils leur déconseillent les voies de l'apprentissage. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose ? Oui, j'ai vraiment envie de leur dire que c'est une erreur et de conseiller aux parents de pousser les jeunes qui ont envie de ne pas rester sur un banc d'école,
C'est bien de faire des études, mais un bon métier dans les mains, avec aussi un niveau général très poussé, parce que ben, y a quand même une filière très, du CAP qui peut aller au BP, à la maîtrise, au BTS. Donc on a aussi une filière qui peut apporter, qui fait que les jeunes peuvent s'épanouir aussi. Mais de continuer sa passion, je trouve que c'est quand même valorisant de travailler de ses mains. Ben, dans notre secteur de l'artisanat, ben, beaucoup de jeunes qui sont passés par l'apprentissage ont quand même plus de chances de trouver un emploi que forcément peut-être un bac plus 5. Et même ces gens-là aussi, je trouve, qui ont un niveau d'études, qui veulent se lancer, ben, la porte est ouverte aussi, puisque récemment, on peut aller en apprentissage jusqu'à 30 ans. Eh bien voilà, le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. On va partir maintenant à la rencontre d'un professionnel de haut vol et peut-être bientôt un nouveau champion à Sarreguemines. C'est ce qu'espère en tout cas le pizzaiolo Giacomo Citro. Les 15 et 16 mars prochains, il participera au concours de meilleur pizzaiolo de France. C'est dans sa pizzeria Don Camillo, située rue de la Montagne à Sarreguemines, qu'il s'y prépare. En tout cas, Barbara Polfos et Marie Lorenz l'ont rencontré autour, bien sûr, de ces délicieuses pizzas. Le service terminé, Giacomo Citro continue d'enchaîner les pizzas. Et pour cause, il est en pleine préparation pour le championnat de France de la pizza. Après une formation de carrossier peintre, Giacomo s'est tourné vers le monde de la restauration. Et entre lui et la pizza, c'est toute une histoire d'amour. Il y a 15 ans, j'ai connu ma femme, qui était dans le monde de la pizza, qui m'a fait découvrir ce métier, et j'ai très vite accroché. Donc on a ouvert un restaurant dans le sud, en 2004. Et on l'a tenu pendant 4 ans. Et ensuite, on est revenu dans la région. Et depuis 2009, on a la pizzeria Don Camillo à Sarreguemines. Après avoir franchi haut la main les étapes de sélection à Dijon, il se rendra à Paris les 15 et 16 mars prochains. Il sera confronté à 160 pizzaiolos pour la finale nationale. Mais avant le jour J, Giacomo Citro s'entraîne tous les jours. Son but, trouver la recette parfaite qui séduira les jurés. En plus du goût, les participants seront évalués sur la présentation et la technique. Un challenge qui ne lui fait pas peur. C'est presque un loisir de faire des pizzas, je ne prends pas comme un travail. Un plaisir et un talent qui devront le démarquer face aux autres pizzaiolos. Il aura 15 minutes pour réussir sa pizza d'au moins 29 cm. La pizza s'appelle la soude. Donc je l'ai appelée comme ça. Parce que j'ai des origines italiennes. Et on a de la roquette, de la brezzaola, des tomates séchées de Calabre. On a de la mozzarella di bufala, des billes de truffes moléculaires avec des tuiles de parmesan et des tomates cerises. Je vous présente la pizza Soud de mon classement en 4e à l'étape de Dijon. Après avoir préparé sa fameuse pizza pour les étapes de sélection à Dijon, Giacomo est en pleine recherche pour celle qu'il présentera à la finale. Mais une chose est sûre, il n'hésite pas à mettre les mains à la pâte en espérant que sa touche personnelle ravira les papilles du jury. En tout cas, ça a l'air délicieux. Bonne chance, bien sûr, pour le concours. Dans un instant, on ne parle pas de concours, mais d'élection. Une discussion en plate, mais sous-titrée en français. A tout de suite. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça, c'est très très bien. Ah, oh, ben, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Allez les champions, allez les champions. Et un, et deux, on est tous fans de foot, alors faites du bruit avec Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain, Mosaïque traverse la frontière. Retrouvez Grenzenlos, votre magazine transfrontalier en compagnie de Patricia Osterstierle, présidente de l'université franco-allemande. Nous serons à la Villa Europa, un établissement culturel chargé entre autres de la promotion de la langue française.
politique, scrutin, sondage, notre bande de joyeux lurons parle des élections. Je vous laisse en leur compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, liebe Zuschauer. Heute reden wir nicht von der Temperatur, aber von der Wahl. Das geht ja auch da, Bertrand, rauf oder nur nach Altier. Von der Sondage oder von der Temperatur? Ja, ein bisschen von beidem. Was ist denn das Politik, Martin? Oh, die Politik. Überhaupt keine Differenz zwischen der Politik und der Knorre. Ganz einfach. Der Knorre ist für den Hund und der Politik ist für den Katz. Auf beides kann man biesen. Ja. Sebastian, wann sind noch die Wahlen? Also, wenn man da lohnt auf der Kalender, der erste Tour, also die Wahl von dieses Jahr, sind ja die präsidentielle. Das wissen wir nach. Der erste Tour ist am 23. April und der zweite Tour am 7. Mai. Dann wird dann hinten noch im Juni die Legislative für die Deputy gewählt, am 11. Juni, am 18. Juni. Und dann kommt dann die nächste Wahl in 2019, da haben wir die Europäer. Voilà, so ungefähr der Kalender. Also und dann die Municipal 2020. Ja, da haben wir noch viel zu machen und zu schwätzen. Bertrand, du, wir haben ja jetzt ewig gesehen, was da in Amerika passiert ist. Aber ewig, ist das nicht. Also, das ist schon ein paar Wochen her, weil es tut ja so lange mit den Amerikanern, also wählen und naja, kommt auf. Ja. Er kommt jetzt recht. Elekteur, ja. Kleine Elekteur und so weiter. Am Ende kommt raus? Trumpf? Der Familienname von der Familie. Die sind ja von der Pfalz, aus Karlstadt. Frederik und Elisabeth. Genau. Also der Opa vom Trumpf, ist von wie dem das kleine Dorf da ankommt. Ja, 1000 Einwohner, alle will. Und da ist jetzt der neue Präsident da in Amerika. Wissen wir, was der Opa gedreht hat von dem Trump? Weil da ist ankommt. Nein, aber so ungefähr trotzdem. Er war Wirt in Klondike. Und hat so Hotel gehabt für die Bergmänner und so weiter, wo Gold gesucht haben. Also der hat Gold, der verkriegt von den Goldgräber. Mm. Ja. Und hat sogar so eine Art Hotel gehabt. Ja. Und was er alles weiß, der Bertrand. Von der Wahl. Also, wir gehen doch jetzt bald den Präsidenten wählen. Gell? Der unser Präsident, der Hollande und der Wolz, der erste Minister und der Sapin, gell? Ja. Die waren da mit einem Helikopter und fliegen da über Frankreich da rum. Gell? Mhm. Ich war einmal gesagt, der Sapin, wenn ich jetzt so Bier von 500 Euro da nur schmisse, hätte ich doch ein glücklicher Franzose machen. Dann sagt Wolz, ja, das ist richtig, gell. Ja, und wenn ich 10 Billette von 50 Euro da nur schmisse, dann würde ich 10 glückliche Franzose machen. Und das sagt immer einmal der Hollande, ja. Und wenn ich 100 Billette so von 5 Euro würde nur schmisse, dann würde ich 100 glückliche Franzose machen, gell. Immer einmal sagt der Pilot zum Co-Pilot, hör schon mal die drei Sprechklopper da. Und wenn ich die zwei nur schmiss, das sind Millionen glückliche Franzosen. Ja, das mit den die Politiker, die kommen und die gehen die ganze Zeit, gell? Da ist ja auch einer, man könnte den Namen sagen, gell? Der Löpender, der wo immer das Augenklapp hat, der kommt natürlich am schönen Tag auch mal ins Paradies, also der Nuff, und kann ja mal probieren verkloppen, gell? Ja. Und der Petrus lohnt an und sagt ihm, ich glaube, das ist ein Witz, ha? Da, dein Platz ist da unten. Ja, der Löpen, gell? Nimmt seine Füße und schlappt da unten. Am anderen Tag ist da ein Tolle vor der Tier beim Petrus. Er macht die Tür auf. Die ganze kleine Teufelsche, der Dämon persönlich, alles steht vor der Tier. Ja, und er sagt, was ist denn da los? Dann sagen sie, sie kommen noch dort Asyl verlangen, so lange wie es geht. Die arme Dävle. Wie die Oma immer gesagt hat, wähle, aber wähle der richtige. Ja. Das ist, wie man es macht, gell? In Frankreich hat man ja wirklich die Alternance. Aber wenn man gehört, die Merkel, die stellt sich jetzt schon das vierte Mal. Mhm. Ah, also bei uns. Darf die noch? Die darf sich da noch einmal stellen. Ha? Also da ist auch noch ein Mann, der ist zum Petrus gekommen und er sieht da hin am Petrus eine Uhr und alle Geburt geht die Uhr pick.
Physik ein bisschen Widerstand hatte, was ist und das? Und dann sagte er, das ist auf der Erde. Jedes Mal, wenn einer geboren ist, kommt da eine Uhr. Und wenn er Sinn macht, und dann geht die Uhr vor. Oh, ich sagte, er schon im Holland seine Uhr. Ich sagte, die steht in meinem Schlafzimmer, das ist mein Ventilator. So, genug von Politik gerät, gell? Ja, gut, ja. Ob ich da höre, morgen sehen wir uns wieder die nächste Woche, gell? Nächste Woche, auf jeden Fall.